Hello, hello et bienvenue dans Vlog à Ibiza. Bon, ce matin, on s'est levé à 8h pour tourner une vidéo avant d'aller reprendre l'avion à 12h15. Et donc, on va tourner un challenge. On l'a placé là, la caméra. Et il y a la poule derrière. On s'est dit que ça faisait un beau background. On va vérifier. Mais l'idée là, c'est de trouver. On va voir si on prend des poids. Parce qu'on est en tenue de combat. C'est un challenge un peu sportif. Et c'est la sœur de Caro, Laura, qui m'a encore insufflé l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu notre assistante. Elle a toujours des bonnes idées. Ouais, mais je crois que c'est fermé. Ah, c'est fermé. Ah ouais, il y a 4, 6, 8. Tu vois, ça change vite. Hein. C'est genre, il y en a une qui a 8 et l'autre qui a 12. Alors c'est... Franchement, la diff, elle est énorme. Ouais, laisse tomber. On va faire 100 poids, mais croyez-nous qu'on est tellement fatigué. Ouais. Et il fait déjà tellement chaud que ça va être dur. On va bien voir si on arrive à le faire en 2 secondes. On va se crever une fois et on le refera. Ouais. Ça sera ça la surprise, on vous dira tout à l'heure. Oui, ils vont vraiment être sur la vidéo. Hein. Ah ouais, il y a les poolman qui vont être. Ouais. Les pool boys. Bon, finalement, ça fait un peu bizarre qu'il y ait des gens qui travaillent dans le décor. Donc on va aller les voir ailleurs. Ouais, parce qu'il y a 2 jours on s'est... Oula, je suis très très claire. Il y a deux jours on s'est promené par là et il y avait des beaux spots. Du coup on va aller voir. Peut-être qu'on peut filmer par là. Mais c'est vraiment mignon hein, San Antonio de ce côté là. Quand il n'y a pas les angles morts pile dans les rues. Ouais, c'est ça en fait. C'est un peu mauvaise réputation, c'est une place. Notre hôtel. Et voilà. C'est tout calme. Il nettoie tout. C'est comme à Cancun, hein. Quoi ? À Cancun, c'est genre la beuverie, la beuverie, la beuverie, la beuverie. Et le lendemain matin, à 6h ou 7h, t'as tout le monde qui est en train de nettoyer. Enfin, tout le monde, c'est pas les mêmes qui se mettent la tête à l'envers. Ils sont tous là en train de nettoyer et bim, de bon matin, c'est tout propre pour recommencer le soir. C'est pareil, ils nettoient tout. Ouais. Bah, il y a plein de villes où ils nettoient tout, même Nice. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas autant la beuverie qu'ici. Donc à Cancun. Vraiment bien. Ouais, parce qu'en plus, c'est beau ici. C'est motivant, je suis sûre, on aurait fait 12 km au moins. Ça y est, on a terminé de faire le challenge. Et en fin de compte, les squats étaient pas si durs. Mais bon, du coup, ça a commencé à piquer. Ah ouais. Et du coup, on descendait très très bas. Ouais. Pour. Ah, mais moi, je vous parle de squat. Je sais pas s'il sera déjà sorti de challenge ou pas. Je sais pas. Et là, du coup, on a rendez-vous avec. Il sera pas sorti, à mon avis. Tu crois pas? Il est censé sortir mercredi prochain. Non, dimanche. Ah, c'est moi qui me. Hi. Eux, je sais pas s'ils ont pas fini leur soirée ou s'ils commencent tôt. Mais je pense que c'est l'option A. Ils sont allés en soirée en maillot de bain. Mais tu crois que c'est du Fanta qu'elle va leur détail? Je sais pas trop. Hein. Mais oui, ils sont allés en soirée en maillot de bain, quelle question, elle est bizarre. Ouais, mais bon, quand même, faut s'habiller pour les soirées. Bah, ça dépend si tu vas où, je crois. Ouais, je sais pas. En fait, on sait bon. Ouais, du coup, je disais, on va aller manger avec Tiffen et Lucas. Parce qu'après, on les voit plus. Ouais. Mais c'était trop cool de les rencontrer, moi j'ai trop aimé. On a passé tout le voyage avec que des blogueurs. Et c'était trop cool quoi. Tu vois? Ouais. Tu vois? Non mais si, c'est comme l'autre fois quand j'étais avec Fadela et Margot, j'ai trop kiffé. Ouais. Bon du coup, c'est tout. Et voilà la régalade de la régalade. Ah, on a fini de manger. On a bien mangé. Beaucoup mangé. Tu aurais pu? Ah, regarde, j'ai des voitures comme ça. Oh, tu dégoûtes un peu. On va faire nos valises. On comptait se doucher et puis finalement, on aura sûrement pas le temps. On va tomber. On va encore transpirer. On s'est douché hier soir, hein, y a pas de malaise par contre. Ah ouais, moi je reste pas en tenue de combat. Hein. Ouais. En plus, on a les mêmes baskets. Ouais, on fait un peu les. Mais en plus, tout à l'heure, on avait aussi le même t-shirt quand on voulait tourner la vidéo. J'ai dit bon, je vais me changer. C'est l'heure du check-out. 10h et quelques. Et Tiffany et Lucas aussi font le check-out. Ils vont aller visiter la vieille ville d'Ibiza.
qu'on avait vu dans le vlog à Ibiza il y a 2 ans. Il vaut bien profiter parce que c'est super beau. Et nous on rentre à la maison en passant par Rome. C'est pour ça qu'on disait qu'on allait à Rome dans le premier vlog, mais en fait on n'y va pas vraiment. C'est juste on atterrit, on change d'avion et on repart. Listo Pepito, on a nos billets, on peut y aller. Est-ce qu'on est à côté cette fois? Choufi, on est un peu encombré. 17E et 17D. Il semblerait que oui. Et 8B, 8C. On est à côté, pas besoin de rabouiner. C'est où la porte d'embarquement? Non, je vais t'aider. Ibiza, je crois que tu es dans ton école. G2. G. G comme Guillaume. GG. Comme GG. Comme le point G. On n'a pas dit qu'on se dormait dessus. Si, on l'a dit, je crois. Attends, mais on est tellement blanche, on revient. Je suis en maillot de bain. Voilà. Tu es toujours en maillot de bain? En fait, non. Ouais, il est grand temps d'aller se coucher. On devait travailler après en arrivant à Lyon. J'ai filmé une petite vidéo et en fin de compte, on va la reporter à une date ultérieure. On va pas pouvoir faire le plan décollage. Les procédures de sécurité sont très importantes. Il n'y a pas de bruit là. Il y en a, mais on n'est pas prêts. T'invitiamo à togliere gli auricolari. Et ça travaille, ça travaille. Ça va, il y a pire. Hein. Ça bloque. Je sais pas comment on dit. Ça bloque. Ça fait au moins 10 minutes, 15 minutes qu'on atterrit et qu'on bouge pas et qu'on fait l'embarquement de notre prochain avion dans 5 minutes. Quand on dit mais Safia, on rate l'avion. Safia, ton ballot. Merci. Caroline, mais toujours sans avion. Donc, je sais pas comment on va faire. On va prier. On se dort toujours dessus en fait. Ça se voit, non? Bon, on est enfin sorti de l'avion et l'embarquement a déjà commencé normalement pour notre deuxième vol. Donc, il n'y a plus qu'à se bouger le fion. Transiti, c'est là-bas Transiti. On parle. Là-bas en haut. Ouais, on parle italien maintenant. Transiti, je sais pas comment on dit. Et comment on dit ça en haut? Là. Encima, non. Ah non, attends. Nous on va à Lyon, 14h50. Ah, faut prendre le truc qui va plus vite! Caro! On est des Mongols, on se rappelle plus! On a le droit de s'arrêter s'il y a Victoria Secret ou pas? Non! Il faut qu'on mange! Mais ça, je peux me le mettre là où je pense. Ah, c'est le requin! Ah ouais! Il est beau le haut! Il est beau, ouais! On l'a vlogué le numéro de la gate, la porte, mais on se rappelle plus. Et comme il n'y a pas le son quand on fait play sur les images, et ben on est perdu. Il y a à manger. Je vais acheter vite fait. Ah, oh, mais je sais pas si je vais trouver un truc. C14, tu veux t'inspirer. C'est bon, hein, il n'est pas encore. Pas encore fait le checking. On va voir s'il y a à manger là. Ils vont me faire manger des antipasti. Ah, bah oui, des antipasti. Des tapas version italienne, quoi. Ça fait, elle prend la vie en culotte. J'ai pas peur. Et non! Je suis trop capable des bébés qui pleurent. J'ai une heure qui pleure. Imagine le chagrin. C'est dans le chagrin. En fait, c'est qu'il y en a plein aussi. Bon, ah oui, ils nous demandent vous les avez et on les a pas. C'est le Hub. On l'a commandé bien en avance parce qu'on n'était pas certaine d'en avoir un. Dès qu'on a atterri, en fin de compte. Parce qu'on ne savait pas s'il fallait qu'on attende longtemps ou pas et finalement il était pas très loin. Donc il nous attend. Mais on va lui faire une belle course, donc l'un dans l'autre. J'ai cru que ça allait dire une belle surprise.
ouais. Belle course. Bah oui, on et là, là il faut savoir si nos valises sont là ou pas. Ouais. Et vu qu'on a une heure de retard, il y a pas de, on n'a pas eu le temps de mettre la valise dans votre soute. Hein. Il y a pas de sac qui tienne. Ouais. Il faut que tu fasses. On est fatigué. Ça termine une vidéo, mais il est beaucoup trop tard. Ouais, mais non, mais de toute façon, elle est pas tournable, c'est comme ça. Non, mais on avait déjà prévu de pas la tourner. Ouais, je sais. Donc c'est une raison de plus, en fait. C'est une raison de plus, tu vois. Et c'était trop drôle, il y a une action là. On était en train d'attendre des bagages, il y a des parents qui viennent nous voir et qui disent que leur fille, elle suit nos vidéos. Et du coup, ils voulaient faire une photo avec nous, rien que pour la rendre jalouse. Le père, il s'est mis entre nous deux, il a dit, elle va être jalouse. Voilà, donc si jamais tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, on te fait des bisous. On doit avoir des têtes et un peu parents sont fatigués. Sur la photo. C'est pas grave, mais... Ouais, elle a fait une tresse, alors ça rattrape le niveau. Bon, il y a... On est pas les seuls, hein. Ouais. Non, c'est bizarre, c'est ça. Il y a une dame qui a récupéré son, cosy poussette en arrêtant le tapis là. Mais on n'a toujours pas nos valises. Et on a vu toutes les valises défiler. Il y en a d'autres qui n'ont pas leurs valises. Et il y a d'autres gens qui n'ont pas leurs valises. Donc on ne sait pas. Mais elle a appuyé parce qu'il est reparti, parce qu'il venait dans ce sens. Non, elle a appuyé pour aller récupérer son truc. Parce qu'il s'était bloqué ou je sais pas quoi. Ah, c'était bloqué? Il y avait des poussettes mélangées à son cosy et tout, c'était le bordel. Ah oui, mais c'est bon, tu vas le remettre en route là. Ah non, mais tout le monde monte sur les cosy là. C'est l'anarchie, il y a une autre dame qui monte. Elle va récupérer sa poussette. Elle peut plus redescendre après. Elle reste bloquée en plein milieu. Non, mais il y a bien des gonzes là-bas qui l'actionnent pour circuler, non? Oui. On va aller voir les gens. Sont où nos valises? On nous avait prévenu, hein. Le vol a une heure de retard et il manque plein de bagages. Ça, c'est Vueling. Vous venez de Rome, Rome aussi. Vous avez un transfert avant. Ah, ouais. C'est peut-être les gens qui ont un transfert qu'on peut. C'est peut-être ça. Ils sont nuls en connexion, ces gens. Cette compagnie. Non, mais c'est pas possible. J'ai envie de pleurer. Je fais quoi? Je dis à Hubert qu'on annule ou... Dis-lui, on n'a pas nos bagages. J'en sais rien. Moi, ça m'est arrivé une fois que mon bagage... Ne tous soit... ces gens, tout le monde. Ah oui, non, mais on est nombreux, hein, on est au moins 50. Tout perdu les bagages. Bah, ils ont pas perdu, ils ont juste pas pris. Moi, j'ai mon ordi dans la main. Moi, j'ai pas mon chargeur. Donc demain, ça se trouve, je peux changer un ordi. Oui. Enfin, je trouve ça dingue. Une fois, ça m'est arrivé avec Iberia. Aussi d'ailleurs, je crois. Non, avec une compagnie américaine. Sauf que quand je suis arrivée en Colombie, il y avait un petit mot avec marqué mon nom de famille et il me disait votre bagage n'a pas été pris à Londres, on vous le ramènera demain. Mais là, ils te disent rien. T'arrives à Lyon, ils te disent rien. Non, mais rien. Le pire, c'est que tout le monde, plein de gens nous ont dit sur Instagram, Vueling, c'est ceux qui perdent des bagages. Donc Vueling, c'est vraiment une compagnie qui gère pas, pas prendre. Ils ont une heure de retard, ils vous laissent crever de faim dans l'avion parce qu'il faut tout payer, ça, moi ça m'énerve aussi. Et ils préviennent pas qu'il y a du retard et qu'ils laissent attendre dans l'avion pendant une heure. C'est incroyable. Bon ben on va signer des documents pour dire ramenez-moi ma valise as soon as possible. Putain, mais moi je pars demain, je reste plus à Lyon là. Bon, je sais pas du tout ce que je vlog là. Je crois que je vlog ma tête mais pas celle de Caro qui mange son panini. Caro n'a pas mangé depuis ce matin 9h. Avec toutes ces histoires et ces complications. Non, on n'a pas eu le temps. Parce que nous à Rome, on a couru. Pas comme c'est des valises. Ouais. On a... Non, mais c'est vrai. Non, mais couru. Le pire, c'est que c'était même pas genre on a couru, on l'a chopé, bam, on s'est envolé. On a rabouiné une heure dans l'avion. Ouais. J'ai eu le temps de m'endormir avant qu'on ait aussi. Et en plus. Et le bébé t'a réveillé là. C'est la mère, elle lui a gueulé dessus. Oh putain, j'ai dit ça. Oh putain. Ouais, elle s'est sentie mal après. Bon bah j'espère bien qu'elle s'est sentie mal à ma gueule. Pendant qu'on rabouinait, j'ai dit ça se trouve, ils ont perdu nos... Ils sont en train de chercher nos valises. Ouais, non, c'est juste qu'ils s'en foutent. Mmh. Et donc bref, on va conclure le vlog là. On va vraiment faire... Enfin, d'ici là... Je vous conseille vraiment Vueling parce qu'elles étaient pas du tout étonnées, les dames des bagages. Elles ont dit, ah mais ça va s'arrêter tout le temps. Vueling par Rome, c'est la cata, mais déjà Vueling tout seul, on nous avait prévu que c'était pas terrible. Donc on va faire de notre mieux, nous, pour que les choses puissent sortir en temps et en heure. Moi j'ai un peu de batterie, donc je pense que les vlogs vont être en retard. Ouais, il y a de grandes chances que ce vlog là vous le voyez une semaine en retard, mais vous saurez pourquoi. Et on a mis sur Twitter aussi, on a un peu râlé, comme on avait fait avec Bouygues.
en décembre quand Bouygues marchait pas. Ouais. Parce que ça impacte ton travail quoi. Si t'avais juste perdu les maillots de bain et tout, ben c'est pas grave, tu les récupères. Mais là il y a la carte mémoire avec les blocs dessus. Moi j'ai plus mon chargeur. Je voulais faire des photos. Enfin, le reflet, pas mon bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il fait beau à Lyon et on est contents quand même. Bon. On vous fait de très gros bisous, on vous retrouve vite pour de nouvelles aventures. Et voilà. Bisous. Ouais, des grosses cuisses de jambon. Ouais. Pendant que certains se régalent.